Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils. Qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regarde d'autres gens en train de jouer, voilà. Pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Cette semaine est arrivée une mise à jour importante pour la Xbox One, apportant une nouvelle interface nommée OneCore et un début de rétrocompatibilité des jeux 360. L'interface gagne en clarté et se voit amputée de la navigation gestuelle via Kinect, parce que nous dit-on, personne n'en a jamais rien eu à battre en fait. Une bonne nouvelle pour le jeu vidéo donc, qui se traîne les promesses approximatives de l'inutile motion control depuis bien trop longtemps. La rétrocompatibilité, elle, arrive avec 104 titres pour commencer. L'idée est simple, Microsoft compte sur Noël pour faire décoller sa Xbox One, en espérant que les propriétaires de 360 sautent le pas massivement suite à la promesse de pouvoir jouer à leur jeu sur One. Une promesse encore incomplète dont l'histoire nous rappelle qu'elle nécessite méfiance. Beaucoup se souviennent encore de la promesse de la Xbox 360 d'émuler les jeux de la première Xbox, ce qui s'était concrétisé par l'expérience pénible d'un fable en 15 images par seconde. Reconnaissons néanmoins que Microsoft fait beaucoup d'efforts pour relancer sa dernière console à Noël. Il a par exemple mis beaucoup d'argent pour obtenir temporairement l'exclusivité sur Rise of the Tomb Raider dans l'espoir de faire venir des joueurs sur Xbox One. Xbox One exclusive. Et puisque le péché mignon des stratèges de Microsoft est de s'infliger des coups de cravache sur le visage, ils se sont dit qu'après avoir tant payé pour faire de ce jeu un appât à Xbox One, alors autant le sortir aussi sur Xbox 360. Oui, en même temps. Là où il y a de la gêne, il n'y a plus de plaisir. Dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des caca papillons. Cette semaine a eu lieu le premier Nintendo Direct depuis la mort de Iwata. La mise en scène n'est pas pour autant moins bonne qu'avant, voilà un hommage bien mené. Même si Reggie ne fait pas l'effort de cacher qu'il lit un prompteur, comparativement à un Bill bien plus dedans. Un Nintendo Direct qui ne montre aucun signe particulier d'ouverture, prêchant ses propres convertis, une stratégie qui se tient. Mais moi qui venais de regagner espoir après avoir fait The Last of Us et Rise of the Tomb Raider dernièrement, espoir dans la capacité de certains AAA à faire un effort de maturité pour ses clients, je dois admettre que la réflexion qui ne me quitta pas durant ce Nintendo Direct fut... Ah oui, non mais voilà, d'accord, attention. En fait, ça t'emmerde que je sois devenu adulte. Popular culture today, from Hollywood, and all that that means, television, the media, event, even politics, accepts and goes to great lengths, I think, to promote the idea that it's cool to be stupid. Préférant pendant 10 piges mettre en avant, en boucle, les vidéos les plus vues et les plus lol par le truchement d'un algorithme, YouTube s'est auto-satisfait dans une dynamique humoristique adolescente bien pensante, limitant alors mécaniquement la visibilité d'autres contenus plus diversifiés et pourtant présents en quantité. Il n'y a qu'à se rendre sur YouTube sans se loguer pour voir ce qui vous est suggéré et comprendre alors la volonté de l'entreprise. Pourquoi pas? Après tout. Mais là où nos neurones décrochent, c'est quand YouTube tente de se la jouer Netflix en proposant YouTube Red, un abonnement payant pour ôter la pub et accéder à des séries LOL inédites. Voyez, messieurs, dames, l'arrogance de ce modèle qui, après avoir préféré la mise en avant du buzz plus que la richesse du contenu, revient comme une fleur se faire passer pour une plateforme VOD qu'elle espère suffisamment crédible pour être payante. YouTube ne met pas la charrue avant les bœufs, elle met carrément les graines avant d'avoir labouré. Et pourtant, YouTube, ce n'est pas seulement cela. Et malheureusement, cette semaine, la presse enfonça le clou en parlant de l'événement Video City, un salon qui rassemble les YouTubers sous contrat avec M6 et Mixicom. C'est vous dire que cela ne correspond qu'à une facette de YouTube. Mais quel média accepte encore de s'intéresser à la face cachée de la Lune? L'occasion fut saisie par plusieurs papiers pour parler des YouTubers comme piliers de la publicité déguisée. Mais une épidémie a toujours un foyer. Télé, showbiz, radio, presse ou journalisme. Le Figaro Magazine cette semaine s'est d'ailleurs fait choper en beauté pour avoir fait 10 pages de publicité déguisée. De l'intérêt de nettoyer devant sa porte.